Chaque musulman se doit d'avoir tafsir Ibn Kathir en français chez eux. C'est beaucoup mieux que d'avoir Parabole. C'est donc beaucoup mieux que d'avoir CanalSat, ou d'avoir le Livebox, ou d'avoir Orange, ou d'avoir SFR, ou d'avoir autre chose. Parce que ça, c'est mon livre à moi, ça. Ça, c'est le livre qu'Allah m'a donné à moi, en tant que Ummati appartenant à la communauté du Prophète. Je ne peux pas me permettre de mourir à 70 ans, à 80 ans, à 90 ans, sans connaître qu'est-ce qu'Allah Ta'ala me dit dans Alhamdulillah Rabbil Alameen. Sans connaître qu'est-ce qu'Allah Ta'ala me dit dans Qul Huwallahu Ahad wa idha ja'a nasrullahi wal fath. Je vais mourir musulman, hein. Ça je ne remets pas ça en question, mais ma relation avec le livre d'Allah, le livre qu'Allah m'a légué et m'a donné, ma relation est trop limitée. C'est pour ça que nous n'avons pas une vision d'ensemble de la religion. Nous faisons des juz'iyad, nous faisons des actions, nous avançons, nous reculons, nous avançons, nous reculons, mais nous n'arrivons pas à décoller de la foi. Décoller de la foi, mettez votre cœur dans le Coran. Le Coran est déjà dans les cœurs, mais faites une relation avec le sens des versets du Coran, et Inch'Allah on verra là. La différence. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Autre sifat, autre qualité du mu'min, ils ont la confiance en Allah Azza wa Jal. Et ça, ça fait partie de ce qu'on appelle أَعْمَالُ الْقُلُوبِ. Les actions du cœur. Les actions du cœur, c'est par opposition aux أَعْمَالُ الْجَوَارِحِ. Les actions qu'on fait avec les gestes. La salat, la zakat, etc., etc. Les actions du cœur, la confiance en Allah. التَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. الرَّجَى, l'espoir en Allah. خَشْيَةُ اللَّهِ, la crainte d'Allah. Ça, c'est des qualités difficiles à avoir. Namaz, tout le monde fait, mes chers. Les actes d'adoration visuels, palpables, tout le monde est capable de le faire. Mais la crainte d'Allah, face au péché, je m'abstiens. Alors que je peux le faire, je suis en vacances. Je vais en Thaïlande, je vais en Nouvelle-Zélande, je vais en Australie. Il n'y a pas un fundi qui est là pour me regarder. Il n'y a pas un moulissab, il n'y a pas un je ne sais qui, je ne sais quoi pour me regarder. Personne ne me connaît. Impeccable, je suis dans le paradis là. Je peux me taper tout ce que je veux, je peux faire ce que je veux, boire ce que je veux. Personne ne me connaît. Ah, ça c'est pas tes enfants, un tel garçon, un tel. Mais non, j'ai la crainte d'Allah dans mon cœur. Qui est capable de rester ferme dans sa foi, malgré le fait qu'il n'y a que le péché est accessible et rien ne l'en empêche, personne ne pourra le voir. Ça, c'est des qualités à développer. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ils ont une confiance donc totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite vient les autres qualités. On est passé du a'mal al-qulub, maintenant on passe aux les actions avec les gestes jawari. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ça on n'a pas besoin de développer. Ceux qui accomplissent la salat et qui donnent, on pourrait traduire ça par cela, et qui donnent le droit de leur bien, la sadaqa, la zakat, etc., etc. Oulaïka. Cela, oulaïka humul mu'minuna haqqa. Et là, Ibn Kathir, il dit, en parlant de la zakat, etc., il dit que le musulman se doit de comprendre que l'argent qu'il possède, c'est pas à lui, ça. C'est pas que l'expression française, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Tu as rien gagné à la sueur de ton front. C'est Allah qui a mis la baraka, qui t'a permis d'avoir la santé, déjà, pour travailler un peu, ou l'intelligence pour faire quelques études, et ça c'est un asbab, c'est un intermédiaire pour gagner un rosi, un rizq, une subsistance qui a été déjà écrite pour toi avant que tu naisses, avant que notre maman nous mette au monde, notre rizq avait déjà été écrit par Allah Azzawajal. C'est Allah qui nous a donné, et plus Allah donne, plus Allah attend de nous. C'est pas pour rien que les gens qui sont pauvres, les musulmans qui sont pauvres, on ne dit pas le contraire, on ne dit pas un pauvre musulman. Un musulman qui ne fait pas pitié. Un musulman qui n'a pas les moyens, il entre 500 années avant le riche musulman muttaqi dans le paradis. C'est pas pour rien. Plus Allah donne, il a dit que l'argent qu'Allah nous a donné, c'est un amana, c'est un dépôt. C'est pas un don, c'est un dépôt. Et Allah regarde comment on fait tahakkum, comment on va agir avec ses biens. Est-ce qu'il va prendre ça, il va tout mettre dans son ventre, il va investir, il va faire fructifier pour ses enfants, petits-enfants, ou il aura la crainte d'Allah dedans, il donnera le droit d'Allah concernant ces biens. Donc, en conclusion, oula ika humul mu'minuna haqqa, ce sont là les vrais musulmans. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Et là on va conclure avec encore un magnifique hadith concernant le paradis. Mais avant cela, juste pour nous casser un peu le moral, pour voir la différence qu'il y a entre notre foi, notre iman et l'iman des sahaba. Le prophète sallam voit un sahaba qui s'appelle Al-Harith ibn Malik al-Ansari. Le prophète dit, Kaifa asbahta ya Harith. Oh Harith, comment est-ce que tu t'es réveillé ce matin? Comment tu te portes? Comment tu te sens ce matin? Asbahtu mu'minan haqqa. Il dit, oh prophète d'Allah, je me suis réveillé, je suis un vrai mu'min. Le prophète dit, Undur ma taqul. Fa inna li kulli shay'in haqiqa. Fa ma haqiqatu iman. Il dit, oh Harith, fais attention à ce que tu dis, car toute parole, toute chose a une réalité. C'est quoi la réalité de ta foi? Il a dit, on va dire en français pour aller plus vite, de mon cœur, il n'y a plus aucun attachement pour ce monde.
Mes nuits, je les passe dans l'adoration d'Allah. Mes journées, je les passe à faire le jeûne. Allahu Akbar. Et ma foi a atteint un tel degré. وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا. Je dis, c'est comme si que je vis et je vois le arche d'Allah Azza wa Jal en permanence. C'est-à-dire que j'ai une telle crainte d'Allah, j'ai une telle présence d'Allah dans mon cœur, que c'est exactement comme si que je voyais le trône d'Allah en permanence. C'est quelqu'un qui ne pourra jamais désobéir à Allah. Parce que c'était exactement comme si qu'il voyait le trône d'Allah du matin jusqu'au soir. وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَلُونَ فِيهَا. Et c'est comme si que je voyais les gens du paradis, comme on l'avait expliqué il y a quelques jours, qui se rendent visite mutuellement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette personne va se défoncer pour les bonnes actions, parce qu'il sait, il veut rejoindre ces gens. وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَضَارَوْنَ فِيهَا. Et c'est comme si que je voyais les gens de l'enfer qui sont en train de subir des supplices. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne fera jamais de péché, parce qu'il voudra, il craint, il sait, il voit c'est quoi les punitions. Est-ce qu'il le voit? Il ne le voit pas. Le prophète l'a expliqué dans les hadiths, et Allah l'a expliqué au Coran. Il y a un tel yaqin dessus, c'est exactement comme s'il le voit. C'est là l'imam des sahaba. Ils avaient une certitude ferme sur ce qu'Allah a dit dans le Coran, ce que le prophète a annoncé. Faqala, le prophète a dit, Ya harif, ariftu, falzam, falzam, falzam. Oh harif, tu as dit vrai en ce sens. Reste ferme. Et le prophète a répété cela trois fois. Ça, c'est les sahaba. Ça, c'est des qualités. On n'aura pas ces qualités, c'est clair. Mais on doit essayer de développer ces qualités. Que la présence d'Allah soit en permanence dans notre cœur. Qu'on ait yaqeen, conviction sur le VSC concernant le paradis. Si je fais ça, Allah me donnera ce Jannah. Conviction sur les VSC, les mises en garde contre les péchés. Et là, je parle pour moi en premier, parce que tout le monde accomplit des péchés. Voyez, que je suis conscient, je ne peux pas me permettre de faire telle chose. Je ne peux pas me permettre, quand je vais au lycée, je fais la bise aux filles. Quitte à le dire, elles disent que je suis bizarre, je suis à part. Mais si je le fais, notre prophète sallam a dit que, il explique qu'une des pires des choses, c'est que la main d'un homme touche la main d'une femme étrangère. Maintenant, que dit Akonge? Jamais je vais m'asseoir avec mes amis à fumer un joint. Jamais je vais m'asseoir avec mes amis à boire un verre d'alcool. Je vais sortir avec une fille. Jamais je me rendrai dans une boîte de nuit. Jamais si j'engagerai un prêt avec la banque avec intérêt. Jamais je dirai ouf à mes parents, jamais je n'insulterai mon père, jamais je ferai une remarque à ma mère, jamais, etc., etc. Jamais je ne frapperai ma femme, jamais je ne manquerai dans les obligations face à mes enfants. Parce que je sais qu'il y a un Jannat, je sais qu'il y a un Jahannam, et je sais qu'Allah, sur son arsh, il est Mustawa ala l'arsh, Allah Ta'ala m'observe du matin jusqu'au soir. Depuis que je suis né jusqu'à ce que je meure, et d'étape en étape de la tombe, et après la tombe, Allah, il est là et Allah me regarde. Ça, c'est des qualités, mes chers frères, que nous devons développer. Celui qui a pu développer ces qualités, il n'a plus besoin d'écouter aucun bayan jusqu'à ce qu'il meure. Parce qu'il a tout compris. Nous, on écoute, on a besoin, on a besoin, on a besoin. Mais comme la foi n'est pas prête, on n'a pas intégré ces réalités, ce qui fait qu'on fait un pas en avant et un pas en arrière. Dans Ramadan, on va faire 30 pas. Après Ramadan, on va reculer, on va reculer, on va retourner peu à peu de nos péchés. Sauf ceux qui ont demandé à Allah avec sincérité, oh Allah, donnez-moi la possibilité de rester ferme sur mes prières, de rester ferme dans ces qualités où j'entraide, où je fais preuve de solidarité avec mes prochains, où je visite la famille, où j'aide mon frère, etc., etc. Donnez-moi cette qualité d'istiqama, que de continuer à rester éloigné du haram, de baisser mon regard, etc. Ça, ce sont les musulmans qui vont réellement avancer. Inch'Allah, nous avancerons après le mois de Ramadan. Alors, pour terminer avec ce merveilleux hadith, Lahum darajatun 'inda rabbihim, dit que les degrés du paradis, hein, les gens du paradis, hein, ils sont superposés un au-dessus de l'autre. Fayara alladhi huwa fawq fadlahu 'ala alladhi huwa asfala minhu. Wa la yara alladhi huwa asfala minhu annahu celui qui est d'un degré supérieur, il voit comment Allah lui a donné plus que ceux qui sont en bas. Mais c'est tous des habitants du Jannat. Hein? Tandis que ceux qui sont en bas, ils ne savent pas ceux qui sont en haut, qu'est-ce qu'ils ont. C'est comme quand vous entrez dans un avion, vous vous asseyez, hein, dans les sièges économes, mais vous ne voyez pas ceux qui sont en business. Ceux qui sont en business, ils ne voient pas ceux qui sont en first, etc., etc. Vous voyez? Mais tout le monde est bien assis, tout le monde est heureux, parce que tout le monde voyage. Les gens qui sont en bas, ils ne voient pas ceux qui sont en haut. Mais les gens qui sont en haut, ils savent comment Allah les a donné un grade encore supérieur. Ah, dans un hadith, on termine ce passage, il me dit, « Inna ahli illiyin la yarahum » On va dire en français, les gens qui sont dans les hauts degrés du illiyin, hein,
Comment est-ce que les gens qui sont dans les degrés inférieurs vont les voir? كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء. C'est comme quand vous contemplez une étoile qui est loin là-bas, ben, les gens qui sont d'un degré plus bas, ils vont voir les gens qui sont des Iliyin comme nous on regarde les étoiles qui sont là-haut. Et ils ont dit, ah Rasulallah, تلك منازل الأنبياء. Au prophète d'Allah, quand vous parlez des Iliyin, c'est le paradis réservé aux Anbiya que les prophètes ont envoyé sur la terre. Faqal bala. والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. Il dit, c'est des gens qui ont cru en Allah et qui ont cru au prophète. Comme on avait dit hier, Allah ne nous ordonne rien de ce qui est au-dessus de notre capacité. Pratiquer la religion, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Donc on a vu quelles sont les qualités du vrai musulman. On appelle ça Kamal al-Iman. On joint les actions qu'on fait, les ibadat, on joint les actions du cœur, et Allah nous accordera le paradis, et son contentement, et son pardon. Et Allah nous accepte de nous offrir d'avoir ces qualités, mes chers frères, de mettre tout ce qu'on a dit en pratique, et à moi en premier, et de propager à nos mères et à nos sœurs. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.